L'Assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna est une institution politique qui regroupe 20 jeunes élus lycéens. Mise en place le 5 juillet 2017 par les élus, cette assemblée réunit des lycéens de seconde et de première, élus par leurs camarades en classe de seconde, première et terminale. Elle permet ainsi aux jeunes de s'initier au système démocratique, d'apprendre le fonctionnement des institutions locales, de porter la parole de la jeunesse auprès des autorités locales du territoire. Ma commission s'occupait des infrastructures par rapport à CAFICA. Donc on a travaillé sur des thèmes par rapport aux aménagements sportifs. Et il faut savoir que dans l'Assemblée territoriale des jeunes, nous avons tous des parrains. Chacun a un parrain. Et ce parrain-là fait partie du membre de l'Assemblée territoriale des adultes. Donc nous avons été accompagnés tout au long de notre session par nos parrains respectifs. Et nous avons travaillé sur plusieurs thèmes qui ont été délibérés. Moi, j'étais dans la commission de l'environnement et on était 5 élus dans cette commission. On a pu travailler en groupe, poser des vœux, par exemple les espèces envahissantes, et on a aussi proposé les ramassages des déchets au bord de mer. Les 20 jeunes élus se répartissent dans des commissions thématiques telles que la santé, l'avenir, l'environnement. Ils émettent des vœux sur des sujets qui les concernent. En octobre 2019, le président de l'ATJ et les 5 présidents des commissions ont pu rencontrer des personnalités politiques en métropole et à Bruxelles, notamment Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Les jeunes élus de la première mandature 2018-2020 ont formulé des vœux auprès des élus de l'Assemblée territoriale. Par exemple, la mise en place de la conduite accompagnée, le renforcement des contrôles d'hygiène et sanitaires dans la cantine du lycée, des actions de prévention et de lutte contre la consommation d'alcool au lycée, et puis notamment l'accès à la mobilité des jeunes. Le renouvellement de l'Assemblée territoriale des jeunes est lancé. Les inscriptions se déroulent du 3 au 7 août 2020, avec une élection le 10 septembre 2020. Les jeunes qui seront élus siégeront 2 ans de 2020 à 2022.